Est-ce que c'est parti? Je vois pas. Est-ce que c'est parti? On y va? Oui. Alors, bien, bonsoir tout le monde. Mon nom est Michel Seymour. Je suis un professeur retraité de l'Université de Montréal et il me fait plaisir d'animer cette table ronde à l'occasion de laquelle seront présentés deux ouvrages parus récemment aux éditions Somme Toute. Qui traite de la réforme du mode de scrutin. Alors, il sera question tout d'abord de l'ouvrage de Mercedes Roberge, ici présente, autrice de « Des élections à réinventer, un pouvoir à partager », paru en 2019, ainsi que du livre « Raviver la démocratie pour un partage accru du pouvoir », paru récemment en 2021, coécrit par Geneviève Dorval-Douville, Marc-André Ouellette et Kimberly Desormeaux, et nous avons le plaisir d'avoir Geneviève et Marc-André avec nous aussi. Alors, je vais dans un premier temps céder la parole à tour de rôle à nos trois invités pour qu'ils nous présentent très brièvement leurs ouvrages respectifs. Puis nous passerons ensuite à une période de questions et j'invite l'auditoire à poser des questions sur la page Facebook. Alors, tournons-nous maintenant dès à présent, du côté de Mercedes Roberge. Très active dans le milieu féministe et communautaire depuis plus de 35 ans, Mercedes Roberge milite depuis 2001 pour le remplacement du système électoral. Elle a présidé le mouvement pour une démocratie nouvelle de 2003 à 2010, ce qui lui a valu le prix Réformera en 2014 pour son engagement et son expertise. Elle est ainsi considérée comme une référence en matière de représentation électorale. Elle a notamment contribué à la marche des femmes contre la pauvreté du pain et des roses en 1995, de même qu'à l'organisation internationale, quelques années plus tard, de la première édition de la marche mondiale des femmes. Depuis 2007, elle est coordonnatrice de la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, formée de 45 regroupements nationaux agissant pour l'amélioration globale de la santé de la population. La table rejoint plus de 3000 groupes communautaires de toutes les régions du Québec. Alors, je vous donne la parole, Mercedes, et je vous invite à présenter brièvement votre livre. Merci. Alors, ben, pour commencer, moi, je dois remercier, en fait, Myriam Famy, qui est celle qui est venue me chercher, littéralement, en 2017, en me proposant d'écrire un livre sur le changement du système électoral pour les éditions Somme Toute. J'avais déjà envisagé écrire un livre, mais disons que ce n'était pas dans mon calendrier proche. Et donc, j'y ai mis 2 ans de travail. Je voulais que ce soit un outil qui pourrait répondre à différents besoins, différents niveaux d'appropriation, car on est toujours devant soit des personnes qui apprivoisent le sujet, soit des personnes qui ont des connaissances approfondies. Alors, l'équilibre est difficile à trouver. Je voulais que ce soit un document de référence, donc des informations de base sur le fonctionnement des systèmes proportionnels, mais aussi sur le système actuel, pour le comprendre et en voir les effets. Et pour aller même vers des suggestions puis des éléments à surveiller lorsque on le remplacerait. J'avais, moi, 5 critères qui ont guidé l'organisation du contenu, l'analyse des effets, l'organisation des données puis des avenues. Et ce sont des critères qu'on entend régulièrement lorsqu'on parle du système électoral, le respect de la volonté populaire, mais en fait, on parle ici d'une question de traiter les votes avec équité. Le respect du pluralisme politique, parce qu'il existe dans la société et qu'il doit se concrétiser. Il y a le respect des éléments constitutifs d'une société aussi, parce que les groupes qui sont historiquement sous-représentés doivent participer à la prise de décision, comme tout le monde doit participer à la prise de décision. Le respect de la population de toutes les régions en respectant leurs opinions. Et bien sûr, un lien entre les personnes élues et la population parce que le pouvoir, ça vient avec des responsabilités puis une imputabilité. Tout ça, ça se résume par une aspiration bien simple que tous les votes comptent et que toutes les personnes comptent.
Alors, pour faire le tour du sujet, moi, ça demandait, je trouvais que ça demandait d'avoir des données sur ici, mais sur ailleurs aussi. J'ai donc réuni des données sur les systèmes électoraux et leurs effets de 187 assemblées législatives, donc les 187 pays démocratiques qui tiennent des élections, mais pour leur première chambre, pour que ce soit comparable avec l'Assemblée nationale et même à la Chambre des communes. Et autant regard sur leurs systèmes électoraux que sur qui permettent la représentation des idées, mais aussi la représentation des personnes. Tout le long, ça a été transversal. J'ai donc inscrit beaucoup de données, dont l'indice de distorsion. Ça, c'est un indice que parfois on appelle l'indice de Gallagher, sur les votes perdus, sur la représentation des femmes, sur celle des personnes racisées ou nées à l'étranger, sur la représentation des Autochtones aussi, et surtout sur les moyens pour corriger les sous-représentations de ces dernières personnes-là. Et la diversification de la représentation, c'est quelque chose qui est moins développé, moins connu, en tout cas moins intégré comme analyse, alors je me suis donné la mission de bien le documenter. Je ne vous présenterai pas de tableau, mais il y a quand même quelques données qui font plus image que d'autres pour bien comprendre devant quoi on est. On est devant lorsqu'on regarde un système électoral. Alors, aux élections de 2018, l'indice de distorsion, je vous le précise un peu, c'est une mesure mathématique qui permet de comparer des élections entre elles. Plus l'indice est élevé, plus grandes sont les distorsions. Eh bien, les élections de 2018 au Québec, on a eu un indice de distorsion de 18, et ça, c'est notre moyenne depuis les 42 élections depuis 1867. En comparaison, un scrutin proportionnel mixte compensatoire comme celui qui est utilisé en Nouvelle-Zélande leur a donné, lors de leurs deux dernières élections, un indice de distorsion de 3 et de 4 en 2020. Ça situe la hauteur de ce que nous vivons. Et la Nouvelle-Zélande a changé de mode de scrutin en 1996 pour passer d'un système uninominal à un tour comme nous vers un système proportionnel mixte compensatoire. Alors, on peut voir les indices de distorsion selon les deux modèles. Alors, ça permet. Et lorsque la Nouvelle-Zélande était sous le mode majoritaire, son indice était de 12. Il y a un effet important lorsqu'on change de mode de scrutin. Bien sûr, on entend beaucoup parler du système proportionnel mixte compensatoire, je vous en parlerai aussi, mais en général, à travers le monde, ces systèmes-là ont des indices de distorsion moyens de 6,5. Alors nous, on est dans les 18, dans les 20, dans les bien plus hauts que ça encore. Pour avoir une moyenne de 18, imaginez qu'on atteint parfois des sommets. Je voulais aussi mettre en lumière des résultats qu'on n'en parle jamais, qu'on voit moins, c'est les distorsions régionales par rapport aux résultats régionaux. Encore un élément pour l'indice de distorsion. Bien, en 2018, chaque région a eu des indices qui ont varié entre 21 et 59. Alors, ce n'est pas vrai que le mode de scrutin actuel est bon pour les régions parce que leur population n'ont pas droit au respect de leur pluralisme politique. C'est ça qu'il montre l'indice de distorsion. À travers le monde, maintenant, c'est bien beau de regarder nos élections, bien sûr, mais qu'est-ce qui existe et à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne? C'est important pour moi de bien situer les modes de scrutin. Alors, il y a deux familles, la famille proportionnelle et la famille majoritaire. Chacune de ces familles-là est composé de différents modèles, par exemple les scrutins de liste, les modèles mixtes compensatoires, ça fait partie de la famille proportionnelle, et les scrutins uninominaux, plurinominaux, à un, à deux tours, ça fait partie de la famille majoritaire. Eh bien, dans les 187 pays à travers le monde, toujours pour leur première chambre, il y en a 74 qui sont la famille majoritaire et 113 de la famille proportionnelle. On ne se rend pas compte de ça. Et de ces 113 pays-là, il y en a une grande portion, 75, qui appliquent des mesures structurelles. Des mesures structurelles pour atteindre une diversification dans la représentation. C'est donc des règles que les partis politiques doivent suivre pour se conformer à la loi électorale, par exemple, et par exemple pour recevoir leur plein financement ou enfin, peu importe les conditions. Donc, sur les 113 pays de la famille proportionnelle, les 75 qui appliquent des mesures l'appliquent surtout pour augmenter la représentation des femmes, mais aussi celle des personnes racisées et nées à l'étranger,
comparativement à 28 dans la famille proportionnelle. Donc, des mesures sont plus utilisées et donnent des résultats. Lorsqu'on regarde les résultats, le nombre de pays qui atteignent au niveau de la représentation des femmes au moins 35 % de femmes élues à au moins une élection, de 2000 à 2020, il y a eu 42 pays à travers le monde qui ont atteint ça, c'est pas beaucoup, mais il y en a 34 de ces 42 pays-là qui sont des pays qui utilisent des modes de la famille proportionnelle. Beaucoup de ceux-là l'ont combiné, parce que c'est important la combinaison, avec des mesures structurelles. Donc, ce sont des mesures qui sont répandues, qui sont efficaces, et sont surtout efficaces dans un cadre proportionnel. On entend parfois parler des règles de l'alternance, homme-femme sur les listes. Les pays qui utilisent l'alternance homme-femme gagnent ont gagné de 2000 à 2018 24 points de moyenne. Au Québec, on a gagné 12 points dans l'intervalle. Il y a même des pays qui ont atteint jusqu'à 42 points de différence entre 2000 et 2018. Et les élections de 2018, on a cru que les femmes avaient tout gagné parce qu'on avait 42 % d'élus de femmes et 10 % de personnes racisées, mais c'est une exception dans notre parcours. Ce sont nos records. C'est des records qui ne se répercutent pas lorsqu'on regarde les résultats régionaux par rapport à la parité, la vraie parité, 50 %, il y a seulement 6 régions qui l'ont atteint. Et il y a 9 régions qui n'ont jamais élu entre, ça c'est mes données de 2007 à 2018, il y a 9 régions où il n'y a jamais eu d'élection de personnes racisées ou nées à l'étranger. Ce n'est pas conforme à leur démographie. J'ai voulu aussi aborder la question des peuples autochtones, mais en regardant vraiment la particularité de leur situation. On n'est pas dans la même manière de voir les objectifs à atteindre. C'est une question fondamentale de représentation de nation à nation et non pas une question de pourcentage démographique. On parle d'autre chose. Et il faut surtout le faire sans sauter les étapes. Et pour ça, il faut que l'État commence à reconnaître, à respecter les droits. La Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones de 2007 mentionne que les Autochtones ont le droit de participer aux prises de décision et d'avoir leurs propres institutions. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? La question est entière. Et les revendications, en commençant par le rapport que les peuples autochtones veulent établir avec l'Assemblée nationale, sont à établir par les peuples autochtones avant d'installer, installer dans un système électoral les mécanismes qui seront nécessaires pour répondre à leurs revendications. Et ces revendications-là ne sont pas encore déposées. L'important, donc, c'est qu'on regarde tout mode de scrutin qui nous sera présenté par rapport à la représentation des personnes autochtones en fonction de ses capacités à accueillir, lorsque les peuples autochtones seront prêts, leurs revendications. Donc, c'est pour ça qu'il y a moins de documentation. Il y a moins de documentation là-dessus aussi au Québec parce que les discussions sont à des niveaux différents. Mais tout ça a évidemment donné un livre plus élaboré que la prévision initiale, vous vous en doutez. Pour moi, c'est important que chaque personne puisse s'attarder au niveau de détail qui lui convenait. Beaucoup d'informations, mais aussi une possibilité dans mon livre de ne lire que les conclusions de chacun des chapitres qui s'appellent en bref. Pour aller vite, on peut se rendre directement là à l'excès, décortiquer les 75 tableaux et figures. Alors, et en plus, j'ai complété le livre par un site web, mercedesroberge.ca, où j'ai rendu disponible mes bases de données, des mises à jour des données, des analyses et de l'actualité qui a suivi. Parce que mon livre a été lancé
avant le dépôt du projet de loi, mais j'avais prévu cette possibilité-là. Je savais qu'un projet de loi serait déposé, puis je savais que ce serait un mixte compensatoire. Donc, j'ai beaucoup plus mis d'informations sur ce type de modèle-là, mais en même temps, des informations sur les autres modèles pour pouvoir les comparer. Il ne faut pas seulement comparer le système mixte au monde actuel, mais aussi à d'autres possibilités. Mon but, c'est toujours d'augmenter le nombre de personnes qui interviennent sur le sujet, qui ont des idées, qui les présentent, qui les ont présentées, par exemple, lors de la commission sur le projet de loi 39. On va en parler tout à l'heure, je ne veux pas aller dans le détail maintenant. Mais pour moi, c'est important de fournir des informations pour appuyer avec des données et avec des comparaisons internationales, appuyer les personnes pour qu'elles interviennent et qu'elles interviennent sur des objectifs clairs. Pour moi, c'est très, très, l'objectif ultime, c'est que tous les votes comptent et que toutes les personnes comptent. Merci. Merci beaucoup, Mercedes. Et maintenant, tournons-nous vers Geneviève Dorval-Douville et Marc-André Ouellette. Geneviève Dorval-Douville est autrice de 4 essais: Raviver la démocratie, réussir l'éducation, rétablir la santé et rêver le territoire. Depuis une dizaine d'années, elle s'implique dans diverses initiatives de mobilisation citoyenne telles que Génération d'idées et les orphelins politiques. En 2017, elle cofonde le mouvement citoyen Parce que demain avec Jean-François Gingras et Elena Bureau. Elle a participé à diverses conférences, publications et émissions de radio. Outre son engagement citoyen, Geneviève est conseillère au sein d'une administration municipale. Citoyen engagé depuis 2008, Marc-André Ouellette a été membre du conseil exécutif et d'administration de Génération d'idées de 2008 à 2013, un organisme non partisan dont la mission est d'offrir aux Québécoises et Québécois âgés de 20 à 35 ans un espace dans lequel ils et elles peuvent contribuer activement à l'avancement de notre société. Récemment, il a rejoint l'équipe du mouvement citoyen Parce que demain, en 2019, pour coécrire l'essai Raviver la démocratie. Marc-André est président d'une firme de recrutement depuis 2011. Alors, Geneviève et Marc-André, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Donc, ça a déjà bien mis la table pour la discussion d'aujourd'hui. Donc, moi, c'est sûr que ce livre-là de Raviver la démocratie, qui touche plusieurs enjeux, pas juste l'enjeu de la réforme du mode de scrutin, mais c'est un enjeu qui est très important dans le livre. Ce livre-là, c'est comme les autres essais de la série Parce que demain, c'est vraiment le fruit d'un engagement sur plus de 10 ans à travers différents mouvements citoyens qui amenaient les jeunes, d'abord au sein de Génération d'idées, à réfléchir à différents enjeux de société, à se poser des questions, à essayer de trouver des solutions à ce qui se passe dans notre société. À travers ça, est venu à émerger une ligne directrice, certains enjeux, puis on s'est un peu posé la question, parmi toutes les solutions qui ont été proposées, lesquelles sont les meilleures? Qu'est-ce qu'on pense qui serait le plus structurant, le plus important pour transformer le Québec? C'est ce qui nous a amené à fonder en 2017 le mouvement Parce que demain. Ça vise vraiment à redonner la fierté, le goût de bâtir collectivement le Québec en mettant de l'avant des propositions qu'on veut réalistes, documentées et inspirantes le plus possible. Donc, on le fait en faisant un gros travail de recherche aussi, en parlant avec des spécialistes pour documenter tout ce travail-là. Et c'est un format qu'on essaie de faire qui est très accessible pour tout le monde puisse avoir accès à ces informations-là, que ce soit simple à comprendre, que ce soit facilement diffusé sous toutes sortes de formats. Et un de ces formats-là, bien évidemment, le plus important, c'est la série d'essais. Il y en a 5 actuellement, 4 que j'ai écrits, mais il y a aussi l'essai Choisir l'environnement qui vient de sortir en même temps que Raviver la démocratie. Dans le fond, donc Raviver la démocratie comprend, adresse un enjeu qui nous tient à cœur depuis fort longtemps dans tout ce qu'on a fait depuis les 10 dernières années. On s'est beaucoup posé la question sur quel angle aborder, parce que c'est
quand même une question complexe. Puis la question, en fait, humaine est revenue au cœur de notre réflexion parce qu'une démocratie, c'est d'abord les personnes qui la composent. Et puis, donc, on a bâti l'essai sur deux axes. Le rôle du citoyen, comment les citoyens peuvent être plus présents dans leur démocratie, pouvoir s'y impliquer, s'y engager, mais aussi qu'on leur fasse une place pour qu'ils puissent participer plus activement à leur démocratie au-delà de voter à tous les 4 ans, ce qui est évidemment important, mais aussi une place tout au long, en fait, des différentes sessions parlementaires et puis des prises de décision qui se prennent et aussi comment outiller ces citoyens-là pour qu'ils puissent mieux comprendre les enjeux, se sentir plus à l'aise d'intervenir par rapport à ceux-ci et puis à travers de l'éducation civique, mais aussi des meilleurs financements des médias. Et le deuxième axe de notre livre, c'est la question des élus. Donc, évidemment, c'est Laval, c'est entre les citoyens et les élus. Donc, comment redonner un rôle plus important, valoriser ce rôle-là de nos élus, les outiller pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées avec des données probantes, aussi favoriser une meilleure collaboration entre les élus plutôt qu'une confrontation qu'on observe actuellement et qui décourage beaucoup, qui entraîne beaucoup de cynisme, d'ailleurs, chez les citoyens. Donc, comment on peut encourager ça par différents moyens? Et puis, comment on peut favoriser aussi un meilleur contact entre les citoyens et les élus. Donc, c'est un peu, là, ça présente très, très brièvement, mais c'est vraiment un peu les grands axes de nos essais. Puis, je vais laisser Marc-André compléter. Merci, Geneviève. Et comme elle a mentionné, ça fait près de 10, même, je pense que c'est 12 ans qu'on se connaît, Geneviève, là, à cause de Génération d'idées. Puis, il faut que je revienne en arrière pour faire un peu un pont avec l'essai là, qui vient d'être publié, là, Raviver la démocratie. C'est que on avait fait un sommet à Génération d'Ido, Palais des congrès. On est, avec du recul, là, je pense qu'on avait de quoi être fiers. On avait quand même mobilisé pas loin de 400 jeunes sur une variété de thématiques. Mais il y avait un des ateliers qui était les plus populaires. Je dirais qu'il y avait même peut-être 15-20% là, du monde là, qui avait, parce qu'il y avait plein d'ateliers, là, fait qu'il y avait peut-être 70 personnes dans l'atelier qui concernait nos institutions démocratiques dans son ensemble, puis discuter d'enjeux. Il y avait des mentors, je pense Mercedes, si tu étais là, il y avait Claude Bélan, l'ancien président du mouvement Desjardins, qui était un grand citoyen activiste sur la réforme des institutions démocratiques et d'autres enjeux. Il y avait même, je pense, c'est Emmanuel Bilodeau, l'acteur, qui avait fait René Lévesque, là, je pense, quelques années avant. Il y avait d'autres mentors. Puis, ce qui mobilisait beaucoup, c'était la question sur réformer notre mode de scrutin. Et il y avait plein de néophytes là-dedans. Il y avait des jeunes qui n'étaient pas du tout au courant. Ils voyaient un peu notre système électoral comme quelque chose de correct. Ils ne s'étaient pas vraiment posé de questions là-dessus. Il y en avait d'autres, par contre, qui étaient des citoyens renseignés sur la question, puis qui martelaient l'importance. Fait qu'il y avait, du monde qui était en mode apprentissage, d'autres qui étaient plus en mode débat, parce que, comme Mercedes l'a mentionné, elle, dans sa recherche, là, il y a plein de modes de scrutin qui existent. Ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. Mais tout ça pour dire qu'on était en 2010, puis on se faisait déjà dire que ça faisait déjà plusieurs années qu'on en parlait. Il y avait eu des commissions, des débats, des discussions. Ça avait été promis en 84 par le PQ, ça a disparu. Ça a été promis en 2004 par le PLQ, ça a disparu. Là, en ce moment, c'est en train de disparaître. Espérons pas que ce soit le cas, là, mais ça se peut que ce soit reporté, mais en tout cas, ça, on en discutera un peu plus loin, là, qu'est-ce que la CAQ est en train de faire, là, ou s'ils sont en train de reporter pour réviser ou essayer de nous faire oublier. Donc, ça nous ramène à notre essai. Geneviève, comme elle a dit, il y a deux, c'est très large, le sujet de la démocratie. On l'adresse du côté du rôle des citoyens. La place qu'ils peuvent prendre, la littératie civique, développer leur pensée critique, le rôle des députés. On parle même du bonheur intérieur brut. Ça, Geneviève Alcy, quand j'ai entendu ça pour la première fois, je trouvais ça ésotérique. Mais ça fait beaucoup de sens. Puis la Nouvelle-Zélande que Mercedes a mentionné un peu plus tôt, qui est très progressiste et très à l'avant-garde,
qui, elle, a réformé son mode de scrutin il y a un certain temps quand même, là. Mais eux, le bonheur intérieur brut, ils l'intègrent pour intégrer la santé mentale. Puis ils savent très bien que bien prendre soin de son monde, c'est bon pour l'économie. Puis justement, si on est en train de se tirailler, c'est mauvais. Fait que, en tout cas, ça, c'est un autre... C'est bon pour la démocratie aussi, parce que les gens ont l'impression que la démocratie marche. Oui, exactement. Pour éviter la polarisation, comme on peut voir en ce moment, puis les extrêmes, puis les combats émotifs et, qui peuvent parfois qui dérèglent. Fait que, tout ça pour dire que une partie, puis c'est pour ça qu'on est ici sur la question de la réforme du mode de scrutin, c'est que c'est le maillon d'une chaîne qui est très important, que chaque vote compte. C'est en train de passer malheureusement un peu aux oubliettes à cause de la pandémie et d'autres priorités de la vie, là, c'est bien normal. Mais puis Mercedes, c'est la référence. Là, je pense que vous avez vu, là, elle a plein d'infos. Fait que là, on a utilisé son essai, entre autres, là, c'est un peu la Bible au niveau de. On les a regardés, les tableaux, puis on a regardé. On s'en est inspiré. Fait que je pense que c'est un peu l'ensemble de ce que je voulais dire. Là. Donc, merci d'être ici ce soir. Alors, merci Geneviève et Marc-André. Je vois que le temps file, hein, c'est incroyable. Il est déjà 7h15. j'ai plusieurs questions à vous poser et je vois arriver des questions aussi. Sur Facebook. Écoutez, on peut reprendre pour aller à l'essentiel. Tout d'abord, diagnostiquer quels sont les problèmes avec le système uninominal à un tour qui est le nôtre. On sait que ça crée des distorsions, hein, qu'un parti peut être élu avec une majorité de députés, même s'il n'a pas du tout la majorité des voix, et il peut même parfois être élu avec une majorité de députés, même si en termes de vote absolu, il a moins de votes qu'un parti d'opposition. Ça, ce sont les distorsions les plus connues. Alors, je voudrais vous entendre très brièvement, le plus succinctement possible, nous dire là, quels sont les autres défauts du système qui est le nôtre. On peut commencer. Marc-André, j'aime mettre ton exemple sur la démobilisation du vote. Les gens qui sentent que leur vote ne compte pas, c'est peut-être un des éléments les plus importants. Vas-y, Marc-André. OK, bien rapidement, peut-être un des éléments, là, c'est ça, c'est c'est reconnu, il y a des centaines de milliers de votes qui sont, à quelque part, jetés un peu à la poubelle ou perçus comme ça par bien des citoyens. Et puis, c'est ça qu'on discutait, c'est comme quelqu'un qui n'est pas libéral à Ville-Saint-Laurent ou à Westmount en ce moment, à part de la symbolique d'aller voter, c'est pas mal un château fort garanti. Là. Puis, on peut dire la même chose avec un comté qui est très bleu à Matane depuis longtemps. Si t'es pas péquiste, bonne chance. Puis, il y a des milliers de personnes, même voire des centaines de milliers, ils disent « OK, ouais, c'est peut-être bon d'aller voter, mais ça sert à quoi? » Puis, il y a le problème aussi avec les votes stratégiques. Il y avait un sondage qui était sorti. Jean-Marc Léger avait fait un gros travail d'investigation sur la dernière élection provinciale. Puis, essentiellement, il y avait du monde qui, disons, ils voulaient tasser un libéral dans un comté ou tasser un péquiste pour voter pour la CAQ ou Québec solidaire. Essentiellement, ce qu'ils voyaient, c'est qu'il y a plein de citoyens que il faisait des votes stratégiques, il se disait « Je suis QS, mais la CAQ a plus de chances de tasser le libéral ou le péquiste, je vais voter pour la CAQ. » Fait qu'un QS voterait pour la CAQ, puis ils disent inversement, tu pouvais avoir des caquistes qui se disaient « Ah non, moi, je veux tasser libéraux ou je vais voter pour QS. » Fait que ça, c'est une autre aberration. Mais c'est des milliers de personnes qui font ça. C'est pas des petits cas disparates. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui l'avez vécu. C'est faire un vote stratégique au lieu de faire un vote de conviction, ce qui est un non-sens. Oui, puis un des problèmes avec le vote stratégique, pour rebondir à ce que tu dis, c'est aussi que les gens ne s'informent pas vraiment sur ce que les partis proposent. Donc, les gens vont voter pour tel chef plutôt que tel chef. Puis c'est même documenté là, qu'ils lisent à peine les programmes électoraux. Et puis, où il va voter, mettons,
pour tel chef ou contre tel parti, plutôt que de s'informer à voir quel programme correspond le mieux à quoi ils croient, à leurs valeurs, tout ça. Et puis, ça donne peu de chance aussi aux plus petits partis qui représenteraient peut-être mieux certains intérêts des citoyens de pouvoir faire leur place à la hauteur des gens qui sont intéressés aux idées qu'ils proposent parce qu'ils perdent des votes pour du vote stratégique. Si je peux compléter là-dessus, bien en fait, le pourcentage de taux de vote perdu, là, c'est 52 à 57 %, c'est en haut de 50, entre 50 et 60 % régulièrement. Puis je vais reprendre la Nouvelle-Zélande comme exemple, c'est 6,2 % de vote perdu. Il y en a, mais il y en a, c'est tellement petit. Les cinq objectifs que j'ai nommés tout à l'heure comme grille d'analyse, bien, le mode de scrutin actuel, là, il y en a seulement un qui répond et il y répond trop parce que pour y répondre, il fait abstraction de tout le reste et c'est celui de savoir où se situe d'être dans une circonscription représentée par une personne qu'on connaît. Oui, c'est important, mais pas au prix de tout balayer, toutes les autres considérations. Alors, dans les défauts en général, là, juste les nommer, là, leur diversité, là, il y a le renversement de volonté populaire. Et ce n'est pas qu'au niveau national qu'on la voit. On l'a vu 5 fois au Québec, on l'a même vu 4 fois au niveau fédéral. Mais dans les régions, on la voit aussi. Quand une région est représentée par un parti d'une couleur alors qu'elle n'a pas voté en premier lieu pour cette couleur-là, c'est un renversement de volonté populaire. Et de 2007 à 2018, c'est arrivé de 1 à 3 reprises dans 10 régions. C'est pas marginal, c'est régulier. Monopolisation du pouvoir, tous les sièges d'une région pour un parti, alors qu'ils ont remporté une portion beaucoup plus modeste. Surreprésentation et conséquemment sous-représentation. Lorsqu'un parti est surreprésenté, c'est parce qu'un autre en a manqué, a obtenu moins de sièges qu'il aurait dû avoir. Et il y a aussi, pas uniquement les votes, le système actuel ne nous permet pas d'agir sur la diversification de la représentation. Il ne nous permet pas les mêmes instruments qu'on peut installer dans un mode de scrutin proportionnel parce qu'il y a des listes, parce qu'il y a plusieurs personnes à élire pour un territoire. Alors que là, on a une seule personne à élire pour un territoire et par la force des choses, ça donne évidemment de la chance, ça nous donne des candidatures qui sont dans la moyenne, un homme blanc d'un âge moyen, d'un style moyen. C'est un peu comme si la mathématique l'emportait, sur la mathématique et les statistiques l'emportaient. Alors, c'est pas que les distorsions de vote qu'il faut regarder lorsqu'on regarde les défauts du système, c'est l'ensemble. Et en bout de ligne, son gros problème, c'est qu'il fait comme si le pluralisme politique, c'était pas bon. Comme s'il ne fallait pas le permettre. On est dans une société démocratique. On nous dit que c'est correct d'avoir des opinions politiques, que c'est correct de les exprimer, sauf que non, elles n'auront pas la représentation qu'elles devraient avoir proportionnellement au vote. Alors, on dévalorise le pluralisme politique. Et ça, c'est très grave. Merci pour ces précisions critiques. Maintenant, si on regarde positivement le mode de scrutin proportionnel mixte avec formule compensatoire, alors il y a 3 aspects, c'est proportionnel, c'est mixte et c'est compensatoire. Peut-être quelques précisions sur ces 3 concepts le plus succinctement possible. Et la formule spécifique que vous préconisez concernant peut-être le partage des circonscriptions et le partage des régions. Alors, ça couvrirait déjà pour que ceux qui nous écoutent aient une idée déjà assez tangible de la proposition dont vous êtes les promoteurs ce soir. On peut débuter. Te laisser parler, Mercedes. Je peux débuter. C'est sûr. Et on peut prendre comme comparaison le projet de loi.
si ça vous convient, ça sera plus concret. Qu'est-ce qu'il y a dans le projet de loi? Puisque c'est un système proportionnel mixte compensatoire avec des défauts, hein, mais on peut le regarder un peu là-dessus. Pour qu'une proportionnelle mixte compensatoire produise une assemblée nationale proportionnelle au vote exprimé, donc dont la répartition des sièges est proportionnelle au vote exprimé, l'aspect compensatoire est très important. Une compensation, c'est une correction. Alors, la raison pour laquelle les modes de scrutin, ici, le mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire est sur la table depuis longtemps, c'est qu'il combine le système actuel, donc un fonctionnement par circonscription, tout en atteignant un résultat proportionnel sans être un scrutin de liste qui ne contiendrait pas de circonscription. Parce que les circonscriptions sont importantes si, OK, on les conserve, on conserve l'idée de ça, mais on veut pareil obtenir un résultat proportionnel. Et c'est ça l'avantage d'un système mixte. On améliore, on ne change pas tout, on garde une partie, sauf que la partie qu'on garde, la partie des sièges majoritaires, amène des distorsions, on le sait, c'est pour ça qu'on le change. Donc, il faut que la mécanique de correction des distorsions soit vraiment efficace. Et c'est un des défauts du projet de loi 39. Il a une mécanique de correction qui n'est pas efficace, qui n'est pas optimale. Ce que, puis on pourra y revenir tout à l'heure plus dans le détail, mais c'est capital la manière de compenser. Puis en fait, la correction, comment ça se fait dans un modèle mixte compensatoire, c'est qu'il faut regarder combien un parti a remporté de sièges dans la zone parmi les sièges de circonscription. Et on compare ça au vote exprimé globalement. Est-ce que c'est conforme? Est-ce que le parti qui a eu 30 % des voix s'est retrouvé avec 30 % des sièges de circonscription? Sinon, il a besoin d'une correction de sièges de compensation et aucun parti en perd. Aucun parti en perd, c'est toujours en supplément qu'on en ajoute en gardant un nombre de députés pareil, ceci dit. Et là, je ne vous embarquerai pas dans les mécaniques mathématiques qui permettent ça, mais ça existe. L'important, c'est de savoir que ça existe. Donc, cette correction-là, elle amène en bout de ligne une Assemblée nationale qui reflète le plus possible. C'est important qu'elle le reflète bien. On n'est pas en train d'essayer de refléter juste un peu. On reflète ou on ne reflète pas les votes exprimés. Et le modèle mixte amène une Assemblée nationale où il y a des députés. Tous les députés sont élus par la population. Aucun n'est passé par une porte d'en arrière. Tout le monde a été élu par un bulletin le jour de l'élection. Tout le monde a fait campagne. Tout le monde est redevable envers une population d'un territoire, soit la circonscription, soit la région électorale dans le cadre du projet de loi 39, mais tout le monde a des commettants. Et la population gagne, dans un système mixte, gagne des députés, davantage de députés et une plus grande diversité de députés. Parce qu'on est représenté par des députés de notre circonscription, mais en plus, notre circonscription, elle, se situe dans une région électorale de 5 circonscriptions, admettons. Bien, j'ai accès à 4 personnes. Il y a de bonnes chances que ces 4 personnes-là ne soient pas toutes du même parti, alors que, autrement, dans ma région, j'aurais eu juste des gens du même parti. Alors, selon les besoins, je vais cogner à la porte qui convient aux besoins, à la démarche que j'ai à faire. On ne va pas vers les députés de l'opposition pour demander la même chose que vers les députés du parti au pouvoir. Et ils n'ont pas le même rôle à jouer quand ils sont dans l'opposition ou dans le parti au pouvoir. Donc, l'avantage d'un système mixte, c'est aussi parce qu'on obtient plus de personnes pour nous représenter et par le fait même, et aussi par le fait que c'est des listes, on obtient une diversification en termes de candidatures de femmes, de personnes racisées nées à l'étranger, et tout ça, ça se balise dans le cadre d'un système mixte. Puis le projet de loi ne met pas suffisamment de balises là-dessus pour y revenir, mais le fait de travailler avec des listes de candidatures permet l'alternance dont j'ai parlé tout à l'heure
Autrement, on ne peut pas. Et ça, l'alternance, par exemple, c'est un des éléments qui est commun au scrutin de liste, mais dans un système mixte, on a l'avantage d'un scrutin de liste sans perdre ce qu'on apprécie du contact avec des députés dans de circonscription. Puisque vous avez mentionné le projet de loi 39, peut-être souligner quelques-uns des défauts de ce projet de loi, notamment ce qui est proposé dans le projet de loi en termes de circonscription. On n'a pas nos 125 circonscriptions. Il y a des changements proposés au niveau des circonscriptions et des propositions faites sur ce que seraient les régions. Et je crois comprendre que dans le projet de loi 39, les régions utilisées, ce seraient les 17 régions administratives. Alors, je pense que ça, c'est un des nœuds majeurs problématiques qui mérite d'être souligné et éclairé. Oui, tout à fait. Je vais continuer, mais Geneviève et Marc-André pourront poursuivre là-dessus sur des aspects moins techniques, mais au niveau des conséquences sociales que ces changements-là peuvent avoir. Dans le projet de loi, on maintient 125 sièges. Le gouvernement maintient 125 sièges, 80 sièges de circonscription et 45 sièges régionaux de compensation. Ces 45-là sont répartis, en fait, pas ces 45-là, tous les 125 sont répartis dans les 17 régions électorales. Et bien sûr, les régions électorales, c'est une belle invention, les régions administratives, excusez-moi. Ils sont répartis selon les 17 régions administratives. Mais de faire des régions électorales à partir de régions administratives, c'est problématique parce qu'elles sont inégales. Elles sont inégales en population, donc en nombre de sièges. Et lorsqu'on est dans une région administrative qui, elle, compte actuellement 5 sièges, donc 5 députés, dans le projet de loi, ce qui est proposé, c'est que de ces 5-là, il y en ait un ou deux qui sont des sièges de compensation et les autres qui sont des sièges de circonscription. Alors, l'accès à la pluralité des voix, à la pluralité des candidatures, on la perd étant donné que le nombre de sièges de compensation est diminué. Et ça fait en sorte que le respect du pluralisme politique, l'indice de distorsion dont je parlais tout à l'heure, va varier énormément d'une région administrative à l'autre. Parce qu'à Montréal, par exemple, il y a beaucoup de sièges à distribuer et ça donne un résultat mathématique proportionnel plus valable que lorsqu'il y a peu de sièges à distribuer. C'est des raisons mathématiques qui font ça. Mais les régions administratives isolément ne sont pas efficaces pour atteindre l'équité. Il faudrait les rassembler, des rassemblements de régions administratives contiguës et qui ne servent qu'à l'exercice du vote. Elles ne changent, ça ne change pas la vie du monde, ça. Il y a d'autres éléments techniques que je vais le laisser faire sur le projet, mais il y a quand même quelque chose à souligner. On aurait deux votes. Un pour choisir la personne pour représenter notre circonscription et l'autre pour choisir le parti et sa liste de candidature. Et ça nous permet d'exprimer ce que Marc-André et Geneviève tout à l'heure présentaient. Comment est-ce qu'on fait pour quand on est dans un. Quand on sait qu'on va perdre notre vote, comment on vote? Est-ce qu'on va voter, premièrement? Et là, d'avoir deux bulletins, ça permet soit de choisir la même couleur de parti pour les deux, soit de choisir deux couleurs différentes. Et là, on nous demande vraiment qu'est-ce qu'on veut, pour qui on vote, alors que présentement, le même crochet est compris comme étant un choix d'une personne et de son parti. Mais des fois, on n'arrive pas. Ce n'est pas une adéquation nécessairement. Je veux juste dire un mot sur une déficience importante du projet de loi, c'est qu'il ne met pas vraiment en place des
mécanismes, il ne met pas du tout de mécanismes en place pour atteindre la parité de représentation et la diversification en ouvrant davantage la porte de l'Assemblée nationale aux personnes racisées et nées à l'étranger. Et ça, bien, on est supposé être dans un pays et dans, un Québec où on valorise la diversité, où on croit en l'égalité, et là, on présente un projet de loi qui devrait être porteur de ces valeurs-là, et la seule exigence qui est dans le projet de loi, il n'y en a qu'une, et c'est pour l'élection des femmes, c'est que chaque parti, avant l'élection, se fixe son objectif de candidate à recruter, pas de femme à élire, de candidate à recruter, qu'il fasse rapport au directeur général des élections, et qu'avant l'élection, il fasse rapport du résultat. Son objectif, auto-évalué par lui-même, uniquement de candidate, qu'elle soit élue ou pas, qu'il se soit fixé un objectif en dessous de ce qu'il a atteint à l'élection précédente. C'est possible. Et ça, c'est la seule mesure. Alors ça, c'est vraiment une énorme déficience. Je ne sais pas si vous voulez ajouter autre chose, Geneviève et Marc-André. J'ai aussi, pour embarquer sur cet autre élément, très souvent, lorsqu'on pense à un système proportionnel, vient à l'esprit chez certains, et là, je me fais l'écho de quelqu'un qui vient de poser justement la question sur Facebook, on se fait à l'esprit l'image de l'État d'Israël ou bien de l'État italien jusqu'à 2017, parce qu'ils ont changé le système électoral en Italie, et c'est opportun de poser cette question concernant Israël. On vient juste d'apprendre aujourd'hui que Netanyahou a été incapable de former un gouvernement. L'idée des gens est que un système proportionnel implique une telle diversité de partis, ça va entraîner une multiplication de partis, des gouvernements minoritaires et la difficulté de faire gouvernement comme la situation dans laquelle se trouve Netanyahou. On comprend bien qu'on n'est pas là avec un système proportionnel compensatoire mixte. Dans le cas d'Israël, c'est proportionnel à l'état pur et c'est peut-être la raison pour laquelle il faut se distancier de ce modèle. Mais comment réagiriez-vous à ceux qui arrivent avec de telles objections en brandissant l'exemple d'Israël comme un état dysfonctionnel parce que proportionnel? Moi, j'aimerais... Bien, j'aimerais réagir à cette question-là parce que, tu sais, en fait, c'est tantôt, Pierre Sedej évoquait les deux types de régimes. Puis, tu sais, c'est un peu un large spectre, les possibilités qu'il y a en matière de réforme du mode de scrutin. À un des bouts du spectre, puis on est à ce bout-là, là, il y a vraiment l'uninominale à un tour, on vote une fois, puis c'est quasiment le choix entre un parti ou un autre parti. Et à l'autre opposé du spectre, on a vraiment la proportionnelle pure. Donc là, tantôt, Mercedes l'évoquait, mais c'est vraiment une députée de liste. Là. C'est une liste de candidats, puis il n'y a pas de représentativité autre que le vote pur qui est fait au niveau national. Et ça, c'est vrai que des gouvernements comme ça, ça amène une difficulté, une instabilité gouvernementale, une difficulté à former des coalitions qui vont tenir le coup pendant un bon bout de temps. On parle là... Mais d'un autre côté, on a une bonne représentation du vote. Moi, je trouve ça intéressant qu'on parle de cet aspect-là parce que un des autres problèmes qu'on n'a pas beaucoup discuté jusqu'à présent des systèmes uninominaux, c'est la question de la concentration du pouvoir. Donc, non seulement les partis élus ne représentent pas vraiment bien les votes exprimés, des fois même, ils ne représentent même pas... c'est-à-dire qu'ils sont élus avec même pas la majorité des voix dans la population. Là. C'est même pas eux qui ont gagné le vote populaire puis ils sont quand même majoritaires. C'est comme complètement fou. Mais en plus de ça, ils se retrouvent avec une concentration de pouvoir vraiment extrême où est-ce qu'ils peuvent... c'est eux qui contrôlent les projets de loi qui vont être mis de l'avant, tout l'agenda politique. Ils peuvent imposer du baillon si ça ne fait pas leur affaire. Donc, ils ont vraiment... une concentration de pouvoir très importante. Puis ça, c'est quelque chose qui est quand même troublant, considérant en plus qu'ils ne représentent pas vraiment bien les votes exprimés par les citoyens, sans compter tous ceux qui ne sont pas exprimés à cause du système actuel. Ce qui est intéressant du proportionnel mixte, c'est qu'on va essayer de trouver un équilibre
pour essayer de trouver un équilibre entre avoir quand même des gouvernements avec une certaine stabilité, qui a une bonne représentation régionale, mais qui représente mieux le vote, en ayant cher une compensation justement par rapport à une meilleure représentativité des choix des citoyens. Ce que ça entraîne, c'est des gouvernements, oui, qui sont plus souvent minoritaires, mais est-ce que c'est vraiment une si mauvaise chose? On le voit actuellement au niveau fédéral, là, ça entraîne les partis à se parler. Ce qu'on voit moins dans un gouvernement majoritaire, c'est qu'on est obligé de former des alliances pour des projets de loi spécifiques. Puis les gens s'appuient les uns les autres sur des enjeux sur lesquels ils ont des atomes crochus. Dans certains autres pays, comme l'exemple de la Suède, ils vont former des coalitions, des fois même sur assez longtemps, l'hiver avec les social-démocrates, puis là, ils vont tenir un gouvernement qui peut durer un mandat au complet. Là. Mais ce que ça oblige, ça, c'est les partis à amener un dialogue, à tenir compte des points de vue exprimés qui sont représentés par d'autres partis politiques, mais qui représentent des citoyens réels là, qui ont voté aussi. Fait que ça permet de tenir compte de ces points de vue-là, de tenir compte d'une autre chose. Puis même, je pense, moi, ça peut amener une meilleure prise de décision parce qu'on tient, on voit des... On est obligé de prendre en compte des angles morts qu'on ne verrait pas si on travaille seul, en fait, comme parti politique. Je pense que ça renforce notre gouvernance. Je le vois vraiment, même vraiment pas comme un enjeu. Puis il y a beaucoup de gens qui posent la question par rapport à la question de la souveraineté puis tout ça. Puis moi, ce que je pense, c'est qu'en 95, il y avait une coalition qui a porté ce projet-là. Donc, c'est pas quelque chose qui est obligé d'être porté par un seul parti. Dieu m'en garde, je suis désolée de mettre ça de l'avant, mais c'est pour tous les enjeux des coalitions, c'est possible aussi, puis ça ne rend pas nécessairement ça moins fort. Des fois même, c'est le contraire, parce qu'on représente une plus grande diversité de points de vue et plus de citoyens en ayant des coalitions autour de ces enjeux-là. Puis c'est à noter que ce n'est pas nécessairement des gouvernements minoritaires à tout coup, mais c'est peut-être des majorités moins fortes que ce qu'on observe actuellement. En fait, présentement, on est soit en majoritaire, soit en minoritaire. Donc, c'est ça notre perspective. Mais en ayant un mode de scrutin dont le résultat est proportionnel, on n'est plus dans la même logique, on est dans une logique de coalition gouvernementale. Et une coalition gouvernementale va être majoritaire. Son objectif, c'est ça. Donc, un parti qui n'a pas eu assez de votes pour former le gouvernement, ben, c'est parce qu'il a besoin du vote des autres. Il a besoin de s'allier et un parti va s'allier à un autre qui a où il y a une parenté entre les deux partis. Et ça, un gouvernement de coalition forme une coalition gouvernementale, ce qui fait que le 100% du pouvoir n'est plus dans les mains d'un parti qui a gagné 39% des votes, mais dans les mains d'un parti qui a gagné 39% des votes plus 20% pour un autre, peu importe les chiffres qu'on sortirait. Et ça veut dire beaucoup plus de monde qui se sentent représentés et qui, aux élections suivantes, vont voter en fonction de la manière dont ces deux partis-là ont bien ou moins bien travaillé ensemble pour leur valeur propre, mais aussi pour leur travail de collaboration. Fait que c'est juste pour ramener là, et ça, on est tellement loin des gouvernements de coalition, parce que ce qu'on a eu, un gouvernement minoritaire qu'on voit, c'est pas un gouvernement de coalition. C'est un gouvernement qui a 100% du pouvoir avec pas beaucoup de sièges. Et ça, il faut s'imaginer, il faut se projeter pour s'imaginer là-dedans, et c'est pas facile. Marc-André? Ben, la dernière chose, il y a beaucoup qui a été dit. La dernière chose, peut-être, je pourrais dire pour passer à la prochaine question, c'est juste que, encore une fois, l'Israël et le modèle italien, ça n'a rien à voir. Puis le modèle proportionnel mixte compensatoire essaie de trouver un juste milieu. Parce qu'encore là, il y a 80 députés qui vont être par circonscription, puis la balance, les 45 vont. Fait que quand c'est une proportionnelle pure, ça a déjà démontré plus, ça amène plus de conflits, ça amène plus de guerres internes, puis des fois plus d'extrêmes. Pas certaine de ça, moi, mais c'est la perception qu'on a. Oui, puis, tu sais, pensons justement, comme elle parlait là, de la Suède, pendant 70 ans, à peu près, là, quasiment ininterrompu, ils ont bien gouverné en gouvernement minoritaire. Mais aussi, c'est parce que
La proportionnelle mixte compensatoire dans une société qui est à couteau tiré constamment, ça se peut qu'il y a des enjeux. Il faut que tu balises ça par une constitution, par l'éducation civique, par des médias forts, puis par pour bien objectif. Mais tu sais, c'est ça, c'est dans un ensemble de tout pour bien s'assurer qu'il y a finalement qu'on ait un gouvernement qui justement où est-ce qu'on évite là, les extrêmes là, en tout cas, je déroge là, mais essentiellement, c'est de trouver l'équilibre, mais faisons confiance à notre intelligence collective. Puis, ça fait longtemps qu'on parle de mode de scrutin, le proportionnel mixte compensatoire est celui qui fait le plus de sens. Mercedes, dans son livre, explique que l'idée d'une proportionnelle est apparue en 1921. On va en célébrer le 100e anniversaire. Et alors, on se dit à quel point, combien de temps il faut attendre pour que cette gestation d'un nouveau Québec beaucoup plus démocratique et beaucoup plus représentatif fasse son apparition. Et si j'ai accepté de faire partie de cette table ronde, c'est en partie parce que je veux manifester ma solidarité à l'égard de cet aspect fondamental du Québec en gestation lente. J'aimerais savoir quels arguments pensez-vous permettrait cette fois-ci que ça fonctionne et que la balance puisse pencher en faveur d'un nouveau mode de scrutin. Quels sont les éléments qui nous donnent des raisons d'espérer que, peut-être pas dans un avenir prévisible, puisqu'on a vu les réactions gouvernementales, comment on finit par mettre le frein sur le projet, encore une fois, mais quels sont les éléments qui feraient qu'on basculerait en faveur d'un tel système? Quelqu'un posait la question un peu plus tôt. J'essaie de voir, là. Je n'aperçois pas exactement quelle était la question qui m'a semblé aller dans le même sens, mais comment peut-on espérer que la conjoncture puisse changer cette fois-ci? Bien, je pourrais commencer un peu, puis il y a déjà un bon pas qui a été fait en 2018, où est-ce qu'il y a une coalition de citoyens, entre autres avec le mouvement Démocratie Nouvelle, mais on parle de dizaines de milliers de citoyens qui se sont mobilisés par différentes associations qui ont exercé une pression auprès des gouvernements, les partis d'opposition. Puis on a vu la CAQ, Québec solidaire, le PQ, Parti vert, mais quand même, qui avaient co-signé un engagement que oui, une réforme du mode de scrutin, on est d'accord avec ça, puis on voudrait faire avancer. Fait que ça, c'était déjà, puis la sensibilisation. Ça, au bout du compte, c'est un peu une question d'être au courant, parce que les sondages le démontrent, quand les gens sont au courant, quand ils pèsent les pour et les contre, ils disent que ça fait du sens. Puis, je pense que c'est une question d'en parler, d'éducation, un peu comme on fait, OK, c'est modeste, là, mais on met chacun notre pierre à l'édifice, on en parle avec du monde, on peut appuyer des pétitions pour essayer de mettre de la pression sur le gouvernement, puis moi, je pense que c'est à l'ère du temps. Je vais faire un pont avec le milieu des affaires ou même les OBNL, mais on essaie d'avoir plus de collaboration, mais une réelle collaboration, pas le mot bien lancé, là, marketing, mais où est-ce que les gens sont invités, ceux qui pensent différemment, mais essayer de trouver des pistes de solutions communes. Fait que les gens sont un peu tannés là, du campement d'un bord, puis de l'autre, puis de l'attaque, puis j'espère progressivement là, que... mais c'est ça, c'est, à la base, ça revient à quand on en parle, quand les gens voient un peu les bénéfices, un peu l'absurdité du système actuel, puis les bienfaits au niveau même de la confiance des citoyens envers la démocratie, parce qu'ils disent, là, mon compte va voter pour vrai. C'est tous des éléments qu'il faut en continuer à parler. Et moi, je trouve que ce qui est majeur et qui va faire une différence, c'est qu'en déposant un projet de loi, c'est pas rien déposer un projet de loi, c'est la première fois. Vous avez, depuis en 1922, ça a été les premières discussions à l'Assemblée et ensuite
Il y a eu, surtout à partir des années 70, 7 consultations qui ont toutes donné des rapports qui disaient « oui, il faut changer », mais qui n'allaient pas jusqu'au dépôt du projet de loi. Il y a eu un avant-projet de loi en 2003. Et mais là, un projet de loi qui dit, qui reconnaît qu'il faut changer. Le projet de loi, là, il dit « notre mode de scrutin doit être changé ». Ça, c'est la première... L'élément majeur, là, c'est cette reconnaissance-là. Le gouvernement ne peut pas reculer après en disant « oh, finalement, non, il n'y a pas besoin. Pourquoi? Il n'a pas changé le mode de scrutin, lui, pendant ce temps-là. » Il est pareil que lorsque vous avez trouvé qu'il pouvait et qu'il devait être changé. Donc, ça, c'est important comme événement. C'est aussi important de regarder que à chaque consultation, les consensus se renforcissent. Par exemple, pour la représentation des femmes, la représentation des personnes racisées, le nombre, l'appui que ces éléments-là ont reçu. En fait, l'appui. Lors des mémoires déposées à la commission parlementaire sur le projet de loi 39, beaucoup de groupes ont dénoncé l'absence de mesures fortes, l'absence de mesures structurelles pour atteindre la parité et qu'il n'y ait rien pour diversifier au niveau des personnes racisées nées à l'étranger. Et c'était vraiment un très, très grand nombre, beaucoup plus nombreux que lors des consultations en 2008. Alors ça, cette pression-là, elle s'est créée, ça monte de plus en plus et il y a de plus en plus de gens qui sont capables d'en parler, qui sont capables d'argumenter, ça c'est sûr, c'est ce dont Marc-André parle. Mais ce qui bloque aussi présentement, puis je peux peut-être continuer là-dessus, Michel, si tu le veux, c'est concernant là où on en est avec le projet de loi et dans la manière de ses prochains développements et la manière de se rendre jusqu'à l'utilisation. Alors, ces derniers jours, vous avez entendu la ministre Lebel dire que le temps manquait pour continuer l'analyse, parce que j'ai parlé d'une commission parlementaire, ça a été fait au début de l'année 2020, oui. Et la suite, l'étude détaillée ou l'étude article par article, n'a pas eu lieu encore. C'est ce qu'on attendait pour ce printemps, parce que c'était annoncé. Ça n'aura pas lieu ce printemps, mais le gouvernement continue de dire qu'il va continuer à l'étudier. Et la probabilité, ce qui est possible, c'est que l'étude détaillée du projet de loi 39 débute à l'automne. Donc, on n'a pas présentement à baisser les bras. On n'a pas à dire que le gouvernement a abandonné le projet. Non, il ne l'a pas abandonné. Ce qui a été abandonné, c'est la méthode d'adoption du projet de loi. Ce que le gouvernement a déposé un petit peu après le projet de loi 39, c'est des amendements qui donnaient les règles pour réaliser un référendum aux élections de 2022, en même temps que l'élection de 2022. Et c'est pour ça qu'il y avait un stress à adopter le projet de loi avant juin de cette année pour permettre l'organisation du référendum en octobre 2022. Et ça fait longtemps que ce n'est plus possible. Le temps manque pour organiser un référendum. Et pour ma part, je trouve que c'est tant mieux parce que le référendum qui était projeté et les règles qui étaient projetées favorisaient le statu quo. Un référendum, c'est un bel instrument, mais s'il est mal conçu, ce n'est plus un bon instrument, ce n'est plus démocratique quand les règles favorisent le statu quo, quand la population n'est pas informée, ça favorise le statu quo. Quand la campagne référendaire se fait pendant l'été, et que le référendum se fait pendant les élections, ça dilue l'intérêt accordé à la question référendaire. Ça donne en bout de ligne des personnes devant des bulletins, ils ne savent pas quoi répondre,
Ils préfèrent le statu quo. C'est ça, la nature humaine. Alors, tout était base, tout était conçu dans les règles référendaires pour favoriser le statu quo et vaut mieux ne pas tenir un référendum dans ces conditions-là. Le projet de loi 30, la loi électorale, c'est une loi comme les autres. Oui, on la trouve importante, nous, parce qu'on trouve que c'est une base, mais ça demeure une loi qui peut s'adopter, qui doit s'adopter avec les mêmes règles. Pas davantage de majorité parlementaire qu'une loi, c'est une loi. Et c'est une loi qui, met les députés qui la votent dans une posture particulière, mais il y a plein d'autres lois qui sont votées par les députés. Dès que des députés votent des lois qui touchent le développement économique de leur région, sont en conflit d'intérêts. Dès qu'ils votent des hausses de salaire pour eux, sont en conflit d'intérêts. Ils seraient tout le temps en conflit d'intérêts si on disait que lorsque c'est une question qui les touche trop, il faut faire un référendum. Ça n'a pas de sens. Et le problème qu'on a au Québec, c'est qu'on n'a jamais établi les conditions générales de référendum. Sur quel sujet peut-on faire un référendum? Dans quel contexte? Qu'est-ce qui rend le référendum équitable? C'est quoi les bases avant de lancer un référendum? Et non pas, on va choisir du jour au lendemain sur quel sujet on en déclenche un. Ça dénature l'outil qui est super important d'un référendum, mais s'il est mal utilisé, ça dessert la démocratie. Donc, la situation, c'est que, bon, ce référendum-là de 22 n'est plus possible. Maintenant, il faut, quant à moi, continuer faut faire changer d'avis le gouvernement pour qu'il adopte le projet de loi. Il y a jusqu'à la fin de son mandat pour le faire, pour qu'il l'adopte et qu'il ne mette pas son application conditionnelle à une autre étape. Une fois adopté, qu'il soit mis en place, il va être mis en place en 2026. C'est clair que ce n'est pas pour 22, c'est beaucoup trop tard. De toute façon, c'est pour 2026. Alors qu'il adopte le projet de loi, ben en fait, avant, il faut l'améliorer. On n'a pas beaucoup parlé des améliorations, il y en a beaucoup. Pour qu'il soit vraiment proportionnel et que ça donne une vraie différence. Et qu'une fois qu'il est amélioré par l'étude détaillée, il soit adopté et que son application soit comme tous les autres projets de loi, sa date de mise en application soit prévue, plutôt que de mettre le projet de loi sur une tablette en disant « on verra si on l'applique plus tard en fonction d'un référendum qu'on organisera peut-être » parce que c'est là-dessus qu'il faut faire changer le gouvernement d'avis sur le fait qu'un référendum n'est ni nécessaire ni souhaitable sur un sujet comme le mode de scrutin. Merci pour ces remarques. Effectivement, on n'a pas le temps d'entrer dans mille et un détails, notamment du projet de loi. Cependant, je ferai recul pour le peu de temps qu'il nous reste. Il nous reste 5 minutes pour vous inviter à réfléchir de manière plus générale sur la démocratie. Je pense en particulier à votre ouvrage, Geneviève et Marc-André, où vous n'abordez pas que la question du mode de scrutin, mais aussi d'autres aspects de la démocratie. On peut penser à une démocratie participative où, comme en Suisse, les citoyens peuvent initier des référendums donc d'initiative populaire. On peut penser à de la démocratie délibérative, comme on en avait jusqu'à un certain point, à une époque, lorsque le gouvernement régulièrement organisait des sommets. Alors, dans votre ouvrage, vous abordez plusieurs aspects de l'amélioration du système démocratique, mais vous mettez quand même l'accent sur la réforme du mode de scrutin. Alors peut-être j'aimerais vous entendre parler presque en conclusion, vous tous et vous deux, Marc-André et Geneviève, sur, en faisant recul, comment vous entrevoyez la dimension plus générale démocratique. Bien. La raison pour laquelle la réforme du mode de scrutin est aussi importante dans notre ouvrage, c'est parce qu'elle a des impacts vraiment transversaux sur plusieurs thèmes qu'on aborde dans l'ouvrage. Donc, par exemple, on parle beaucoup de la question que la confrontation entre les partis politiques actuellement, c'est quelque chose qui entraîne énormément de cynisme, là, qui n'est pas découragé en regardant la
période de questions, là, qui a des fois l'air d'une espèce de cirque. C'est très décourageant de voir nos élus se comporter de cette façon-là. On en a parlé plus tôt, mais d'avoir un système qui amène un peu moins de concentration du pouvoir, puis qui permet, dans le fond, d'obliger, en fait, dans un certain sens, les partis politiques à se parler, puis à s'entendre, puis à s'écouter mutuellement, plutôt qu'à se casser du sucre sur la tête. Ça, c'est quelque chose pour nous, la réforme de mode de scrutin est vraiment centrale pour améliorer la collaboration entre les partis politiques, pour arriver avec des meilleures décisions aussi pour notre société. Puis du côté du rôle du citoyen, bien, ça a un impact évidemment sur son implication, sur son engagement, parce qu'il sent que son vote compte. Mais ça a aussi un impact, puis on n'en parle vraiment pas souvent, sur la question des compétences civiques. On parle beaucoup dans l'essai de la question que les citoyens, pour être capables d'agir comme citoyens, de prendre des décisions éclairées, de participer à la vie démocratique, doivent comprendre les enjeux qui sont sous-jacents. Et le système, ce qui a été démontré, c'est que le système proportionnel mixte, entre autres, contribue beaucoup à ça parce que les partis, en formant par exemple des coalitions, doivent expliquer pourquoi ils s'allient entre eux, tout ça. Donc là, les citoyens voient un peu les idées sous-jacentes aux choix qui sont pris par les différents partis politiques, les différentes options qui sont débattues entre les partis politiques. Puis même lorsqu'arrive le moment de voter, bien, ils ont plus de choix, donc ils peuvent s'informer davantage sur les partis parce que ils peuvent choisir un parti par conviction parce que les idées les représentent en se disant qu'ils ont probablement des chances que leur parti soit représenté à l'Assemblée nationale par une députation députée régionale, par exemple, même s'ils ne gagnent pas directement le comté. Donc là, ça vaut plus la peine de s'informer sur qu'est-ce que chaque parti réellement propose. Donc, ça amène les citoyens à développer davantage leurs compétences, dans le fond, à comprendre les enjeux et donc à faire des choix beaucoup plus éclairés aussi. Et puis ça, c'est vraiment une bonne chose pour notre démocratie parce que plus on est des citoyens qui comprennent, plus on est des citoyens qui prennent des décisions réfléchies, en fait, plutôt que des décisions basées sur des critères de quasiment de coup de tête dans l'urne à la dernière minute, un parti versus l'autre, tu sais. Donc, on a des décisions plus réfléchies, puis des meilleures décisions de société, à la fois par les choix que font les citoyens qui sont plus appuyés, mais aussi des choix qui sont faits au niveau politique par des coalitions, par des discussions plus établies entre les partis politiques. Fait qu'on se retrouve avec une meilleure démocratie de façon transversale en changeant ce mode de scrutin-là. Marc-André, des remarques de conclusion de votre part? Faire un peu de pouce sur ce que Geneviève disait, mais c'est parce que l'éducation civique, on en parle dans l'essai, mais pas juste au niveau des jeunes qui sont sur les bancs d'école, donc, mais également là, peut-être des exemples de bonnes pratiques là, au niveau de l'éducation civique chez les adultes. Parce que c'est ça, on en a beaucoup parlé, réforme du mode de scrutin, c'est clair, c'est le sujet central ce soir, mais encore là, ça fait partie d'un tout. On adresse également l'importance au niveau du financement des médias dans un contexte où est-ce que pour survivre, ils sont sur le sensationnalisme, ils sont sur les clickbaits, ils sont sur les opinions, puis enflammer les gens, puis ce qui est du contenu de qualité, et ainsi de suite, il n'est pas trop supporté. Fait qu'on parle même des exemples pour pouvoir justement donner du souffle, donner du vent dans les voiles pour ceux qui font du journalisme de qualité. Ce que je peux rajouter, c'est que c'est un ensemble de facteurs. Puis peut-être faire aussi une autre mention parce que le rôle du député dans un contexte, que ce soit actuel ou avec proportionnel mixte compensatoire, peu importe. On avait parlé même avec Sylvain Pagé qui avait écrit un manifeste c'est un ancien député du PQ, mais il avait parlé avec des députés de tous les partis politiques, même au fédéral. Fait que c'est pas juste une affaire d'un parti, mais il donne beaucoup d'exemples au niveau de comment changer les règles du jeu et de collaboration. C'est encore d'actualité. Ça, vous pouvez le regarder. C'est toujours dans changer l'état d'esprit de collaboration où il y aura toujours des lignes de parti, il y aura toujours
un chef ou une chef, mais il y a moyen de faire ça plus intelligemment, puis ça revient un peu à ça qu'on discute, là. Une réelle collaboration, puis une réelle confiance de la part des citoyens, au moins de lutter contre le cynisme. Puis la désinformation, parce qu'actuellement, c'est ça aussi. Meilleure compétence civique, meilleur esprit critique, on n'en a pas de trop en ces temps qui ne sont pas toujours faciles à cet égard-là. Fait que c'est sûr que si la réforme de mode de scrutin peut contribuer à ça aussi, c'est certain qu'on peut, on peut pas tant s'en passer. Non. Puis j'ai juste un point pêché qu'on déborde. Je voudrais juste mentionner pour ceux qui écoutent, qu'est-ce que vous pouvez faire ou qu'est-ce que. Je vais donner un exemple, OK? Le mouvement Démocratie Nouvelle, ils ont un site où ça s'appelle Chaque vote compte. Fait que le monde. Cliquez chaque vote compte, puis vous pouvez faire partie d'une mailing list. Et parfois, ils l'avaient fait dans le passé, mais des pétitions. Parce que ce qui arrive, là, c'est qu'eux autres, là, sont le véhicule. Ils sont le véhicule, le citoyen qui a le plus d'impact parce qu'ils travaillent en collaboration là, avec d'autres citoyens, d'autres mouvements. Mais vous pouvez partager à d'autres mondes pour que justement, par pétition, juste pour continuer à exercer une pression, puis que ce projet de loi-là, soit bonifié, qui voit le jour, puis qu'on puisse enfin, là, après 100 ans de, surtout 20 ans de zigonnage, là, que ça aboutisse. Là. Et si je peux continuer, ce que la raison aussi pour laquelle c'est important de se pencher sur le système électoral, c'est que ça, vous l'avez mis dans votre livre, mais que ça a des effets sur beaucoup de choses. Et ça va changer notre manière de suivre les campagnes électorales. Ça va changer nos exigences face aux personnes élues. Ça va changer notre manière de suivre et de regarder la période de questions, et ils vont devoir changer leur manière de répondre aux questions, pour vrai, justement, durant la période de questions, parce que les partis auront avantage à obtenir des votes partout, plutôt que uniquement là où ils ont déjà une bonne concentration. C'est ça, le système majoritaire, ce sont 125 vases clos. Si tu n'as pas de chance dans ce vase-là, mets ton énergie ailleurs. C'est ça qu'ils font en campagne électorale. Et c'est au niveau de l'éducation civique, c'est aussi durant ces périodes-là que, comme population, on apprend les enjeux politiques, on entend les positionnements politiques. Et et lorsque personne ne vient jamais nous voir pendant la campagne électorale parce que notre circonscription est colorée, ça ne sert à rien, il n'y aurait pas d'enjeu là, c'est de l'éducation citoyenne, civique, qui ne se rend pas jusqu'à la population. Donc, leur travail comme parti va changer, leur manière de faire campagne va changer, notre manière de suivre les campagnes va changer, la manière dont les médias vont suivre les campagnes, ils ne pourront plus juste suivre les deux gros autobus. Parce qu'il n'y aura pas que les deux gros autobus qui ont des chances, les partis, les deux gros autobus, qui ont des chances de remporter des votes. D'autres auront des chances proportionnelles à leur appui dans la population. Et donc ça, et c'est difficile de s'imaginer devant tous ces changements-là. Mais il faut faire l'effort, il faut pour regarder de quelle manière on peut, quels avantages ça va nous donner. Et bien sûr, le changement peut faire peur, mais les avantages qu'on a à en retirer sont tellement grands qu'on aura une Assemblée nationale qui nous ressemble, rassemble nos idées à qui on doit demander des comptes, parce qu'à partir du moment où elle est représentative de la volonté populaire, eh bien, la volonté populaire va te rappeler à l'ordre, cher parti, si tu en déroges. Donc, notre manière de nos attentes envers eux vont être beaucoup plus grands, et je pense que ça, c'est de nature, bien sûr, à contrer le cynisme et à changer la manière de faire et de voir la politique. Ben, il me reste à vous remercier.
Je pense que votre propos est assez convaincant et permet même de répondre à une autre objection que quelqu'un a soulevée en rapportant la position de Christian Dufour, qui croit qu'avec un tel système, le Québec va être affaibli, puisqu'il risque d'y avoir plus souvent des gouvernements minoritaires. Le Québec serait moins fort dans le Canada, il serait affaibli. Et je pense que ce que vous venez à trois de démontrer, c'est que la démocratie québécoise sera décuplée. Et alors, les positions défendues par consensus, délibération et un système proportionnel tel que vous l'avez décrit, va donner une force accrue au Québec au sein de la Fédération. Alors, je pense que ce que vous répondez nous donne aisément une réponse à l'argument de Christian Dufour. Alors, je rappellerai en conclusion vos deux ouvrages, Mercedes Roberge, « Des élections à réinventer, un pouvoir à partager » et Geneviève Dorval-Douville et Marc-André Ouellette, « Raviver la démocratie pour un partage accru du pouvoir », les deux ouvrages parus aux éditions Somme Toute. Alors, merci beaucoup pour ces échanges. Je voulais juste noter aussi notre co-autrice, Kimberly Desormeaux, qui ne pouvait pas participer à l'échange avec nous ce soir, mais c'est important de nommer qu'elle est co-autrice à part entière avec nous deux de l'ouvrage. Je l'avais mentionné au début. Hein? Oui. Donc, c'est important de le mentionner. Et merci à vous, Michel Seymour, de nous avoir animés avec autant d'intérêt. Oui, et d'appui. Et d'appui. Oui, c'est très inspirant. Un grand merci à vous. Merci. Salut. Merci. Au revoir.